Il est 21h30, il est dimanche soir, vous êtes tranquillement emmitouflé dans votre couverture et vous regardez Spyunet TV. Eh bien, salut tout le monde. Donc, on est devant Little Nightmare. En décuvé, c'est un grand mot, hein. J'ai bu qu'un Jaeger à l'air de rosé. Surtout que j'étais un peu en PLS ce matin. Tac tac tac. Non, il y a des journées comme ça. Des fois le lendemain, j'arrive pas à tenir des fois. Tac. Genre c'était au mois de juillet, on s'était mis une race avec les potes. Le lendemain, j'étais en sueur. Hein, pour demander à Thibaut. Enfin, à Chaos du coup. C'est vrai que je parle à moi-même. Ouais, c'était un peu la PLS. Il s'est pas passé grand-chose car il fallait partir se coucher peu après. Et puis il y avait plus grand monde sur le stream. Donc là, on se faisait courser par une espèce de mec. On s'était fait courser par l'espèce de gars avec ses grands bras là, un peu à moitié avec le visage décousu. Et après on était dans une espèce d'endroit où il y avait une espèce de requin. En fait t'avais un amas de chaussures, en fait t'avais plein de chaussures, une espèce de petite mer de chaussures en fait. Et de gros t'avais un espèce de monstre qui se baladait dans les chaussures et qui essayait de t'attraper. Donc là on va reprendre là où on était. Tac, donc c'est parti pour Petit Cauchemar. Passe aussi le bonjour à Kérouz qui je crois est dans le chat. Ouais voilà, c'est Kérouz. Tac, donc, je vais repartager un peu le stream un peu partout, et puis voilà, on va se mettre bien. Bon, c'est un peu la fatigue, donc je pense qu'on va streamer 1h30, 2h grand max. Quoi. Sûrement aller me mettre dans le lit après. Tac, vu que je mange, je crois, à 8h. Hop. Je crée juste un petit tweet. Tac, et oui, je jouais à Oblivion tout à l'heure. Parce que. En fait, genre, il y a deux fois, enfin, je regardais une vidéo. En fait, je regardais une espèce de chaîne où t'as des compiles de bugs et des trucs drôles dans Oblivion. C'est vraiment une très bonne chaîne. Je sais pas si je peux vous la mettre. Tac. Bon, bah, en gros, c'est la chaîne où il y a cette vidéo là. Je vous la mets directement. Tac. Voilà, cette chaîne là, elle est très kai. Tac. Il n'y a pas que Oblivion, il y a aussi pas mal d'autres jeux Bethesda, genre Fallout 3, Fallout 4, Skyrim. Tac. Hop là, vous voyez, c'est cette espèce de monstre sous cet amas de chaussures qui essaie de nous attraper. Donc on va essayer de l'éviter. Est-ce qu'on m'entend bien tout ça? Évidemment, comme d'hab. Alors, il n'y a pas moyen de trouver où est-ce qu'il est à l'avance. En fait, c'est un peu scripté. Donc, on sait du coup où est-ce qu'il est à l'avance. Parce que c'est scripté. Donc, si tu meurs, tu sais où est-ce qu'il est, quoi. Mais tu peux pas le deviner avant de sauter. Là, c'est un petit peu. Voilà, c'est ça. Il faut se dépêcher. Là. Ok, bah c'est cool, ça m'entend bien. Hop, allons-y alors. Ah, bah, envoie-le notre pote. Ouais, je me souviens, j'en étais là. Tac. Hop. Ensuite là, on va se planquer ici. En fait, dans le dernier stream, pour ceux qui étaient encore là, en fait, j'avais essayé de gruger. En fait, j'ai pas grugé. En fait, je pensais qu'il fallait s'accrocher sur l'autre porte. En fait, que je me suis accroché dessus. En fait, ça permettait de sortir avant le boss. Et en fait, il y avait un script qui se déclenchait. En fait, il m'a attrapé à 3 km. Parce qu'en fait, c'est à lui de passer devant et à moi de passer après. C'était un petit problème de script. C'est un peu dommage. J'aurais dû fixer ça un peu mieux. Quoi. Voilà.
petit singe. Je pense qu'il va falloir pousser la boîte. On peut juste prendre la planche. Alors qu'on passe. Ouais, voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Bon alors, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Enfin bon, il y a une personne, je sais très bien ce qu'elle a fait ce week-end, vu que t'es gueulé avec moi, mais bon. Alors. Passez une bonne journée, Rachel. Ah, il y a une poupée. Au Caire, si c'est au calme. Non, faut que j'attrape la fucking poupée, tabarnak. Voilà, nickel. Est-ce que c'est pas par là? On a fait marcher ce matin tout ça. Ok, ok. On fait le petit marché là, pourquoi ça cherche le petit journal. What a yaf tout doux. Je peux passer par là. Encore un singe là-haut. Hein. Peut-être que je repars de l'autre côté en fait. Ah oui, il est là l'autre. Ah, effectivement, il y a une sortie de l'autre côté. Alors comment je ressors? Ah non. Alors, donc il doit y avoir une autre sortie. Ah oui, c'est là. Oula, oula, oula. La grosse erreur. J'avoue que je l'ai pas vu venir là. Mettez un gros pouce bleu si vous l'avez pas vu venir non plus. Qu'est-ce qu'il est beau. Il m'érotise un peu. Alors, tac. Est-ce qu'il y a pas moyen de... Genre de... une fausse piste comme ça. Voilà, c'est ça. Enfin, je regarde pas. Oh, fuck. Ok, bon, je pense qu'on a pigé le truc. Faut éviter de se faire choper. Ok, peut-être Riffle qui va se ramener après. Alors je vais justement recast le stream sur GN. C'est vrai que j'y pense pas. Twitch Spy, démarrer. On est bon. Non, pas par là. Vous n'êtes pas très causant ce soir. Attends, c'est la fin du week-end, ça fait déprimer. Enfin, sauf pour Rachel, qui ne travaille pas le lundi, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, hihi, là.
Fuck. Oula, ah, il grimpe carrément, le gars. Hop là, hors de question. Évidemment, j'ai mon petit kawa du soir. Ok. Ça, c'est un piège, j'imagine. Un truc comme ça. Ah non, c'est une espèce d'horloge. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs? C'est beau. Oh, dis donc. Ah. Oh, fuck, 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 fuck. C'est pas vrai. Ah. Donc les bruits d'horloge, ils kiffent pas trop visiblement. Faut que je prenne un truc à lancer sur le bouton, mais là je trouve pas. Enfin, visiblement, ça veut pas marcher avec le. Avec une chaussure. Oula, oula! Voilà, la TG. Il m'aura pas comme ça! Ta sœur! C'est ça. Que je prenne un truc pour me mettre dessus. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Il est pas très gentil quand même. Alors, on peut pas prendre la chaise. Ah, on peut forcer, d'accord, ok. Vous pouvez maintenir le bouton pour lancer plus haut. Allez, on est bon. Alors, pile de livres. Sur laquelle on peut grimper. Ce collectionneur des bouquins d'Éric Zemmour, quand même. Alors, le destin français, il est là, on l'a trouvé.
Hop, ben je vais le lire de ce pas. Donc il y a un piano qui est... qui est perché là. Enfin qui est pendu même je dirais. Ouch. Faut grimper comme ça. Vous êtes toujours là les gens? On va allumer la bougie X. Voilà. Hop. Allez, on rush. Oh, il est là. Ok, refait une manivelle. On a déjà vu un truc comme ça par le passé. Oh, il m'a vu. Ah oui, effectivement, il m'a vu. Hop là. Et je me suicide. Ah non, c'est bon, je suis pas mort. Bon, ça va être galère de revenir là. Ok. Go. J'aime le petit mouvement de caméra comme ça là quand tu montes. Tu vois, ça bascule et tout, c'est assez cool. Alors. Donc, comment qu'on fait après? Faut qu'on trouve une manivelle. Et il est pas loin, notre pote, il est juste là. Ok, bon, il est un peu éloigné. Profitez pour se faufiler. J'aime beaucoup quand même ce level design là, genre je trouve ça très très cool. Faut pas faire de bruit là, parce qu'ici il nous chope. Ta musique là, ouais, s'en doutait bien. Tac. Bon, d'un sens, ça l'a un peu. Ça lui a donné une fausse piste, j'ai l'impression. Peut-être pas tant que ça en fait. Hein. Ah, j'aurais dû passer par le haut. Fallait que je passe par en haut. My bad. Ouais, RIP une piste. Allez, on reprend. Ok. On va se mettre là. Là, ouais, effectivement, là, faut en faire gaffe à tout ce qu'on va toucher. Pas faire des bêtises. Quoi? D'où? Nous a spoté là? À quel moment? Hop 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 hop. Voilà, on est bon. Ah, la manivelle. Comment on va la ramener de l'autre côté par contre? Une téloche. Il y a un chapeau. Tac. Il va falloir faire le chemin dans le sens inverse. On va la porter. Il va falloir l'acheter, je pense, pour se déplacer avec.
Alors. Là, je veux l'acheter, je peux pas? On peut pas l'acheter. Qu'est-ce que j'en fais alors? Peut-être ouvrir la porte avec la... Avec la... Non. Avec la valise peut-être alors. Comment fait LOL? On va grimper là-haut. Les boîtes à musique. Est-ce qu'il faudrait pas genre l'attirer en fait? Avec ceci. Pendant que nous on se barre de l'autre côté. On va voir ça. Non, 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 pose là, pose là. Hop. On va se mettre là-bas avec la manivelle. On va attendre qu'il se pointe. On va essayer de passer discretos derrière lui. Qu'il faut faire. Est-ce que vous avez une idée, vous? Ah! Ah, ok, c'est bon. RT, si toi aussi t'as regardé ça quand t'étais petit. Le sound design est vraiment quali par contre. Reviens, reviens. Salut, loser. J'aimerais qu'il s'achetait sa friteuse. Enfin, qu'Adzen s'achetait sa friteuse. Tac. Les frites de Julie. Voilà, les frites, une valeur sûre. Je vais RT mon tweetos. Ok, on y est. Propre nom. Oula, peut-être éviter d'allumer le feu ici. Ah ok, il va falloir pousser le wagonnet. Le wagonnet, monsieur Potter.
ça, vers ça. Ah ouais? Ok, d'accord. Pourquoi ça me tuait pas avant, mais ça me tue après? Pas compris, là. Je n'ai pas compris. Là, pourquoi... Ok, du coup, il faudra que je le mette au milieu et que je le reprenne de l'autre côté, je pense. Hop. On va faire ça comme ça. Hop, on va reprendre de ce côté-là. Cette énigme demande un QI assez exponentiel. Seul mon cerveau intrasegmentaire peut réussir cette qualification. Alors, tac. Non, non, retourne par l'autre côté, s'il te plaît. Hop. Allez, va là-bas. Allez, allez. Entrée. J'espère que vous avez vu ça. Oh non, faut s'en retaper. Bon, ça valait le coup. Ah bah en gros, en fait, j'ai ouvert la porte et puis il y avait un trou juste après. Et puis j'ai. Ah je crois qu'il fallait vraiment pas faire le show avec la porte. Moi, je dis, ouais, c'est trop stylé, j'ouvre la porte et tout là. Et puis hop, je meurs. Je préfère le mal, hein. Tac. J'ai pas encore reçu mon putain de fil de ces discours. Ça commence à m'arriver quelque peu. Hop. Oula, j'ai failli refaire la même connerie. Hein. Vous remarquerez que voilà, cette espèce de fissure, ça ressemblait à un œil, hein, un peu comme c'est vraiment l'œil qui est vraiment dans tout le dans toute la, tout le temps dans le jeu, quoi. JPP, mais qui fait ça? Hop. On va essayer de se faire niquer. En général, quand tu vois un rat, c'est que ça sent pas très bon. Oula, ah ouais, d'accord. Allez, aide-moi, petit rat. Ok, il va arriver par là, voilà. Évidemment. Ah, mais qui fait ça? Allez, TG. Il faut. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh non, 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 non. Ah, je vais grimper là. Ok, ça bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ouvre la truc là, mais il n'y a pas de poignet. Oh non, non, non. C'est quoi ces bras là? Ou pas? C'est scripté ou pas? Ça se ramène encore par là, l'enfoiré. Ok, est-ce que je peux peut-être grimper par là? Mais que fait la police? Pas moyen de lui faire mal.
pas ce salaud pour une fois. Bah, c'est ce que j'ai essayé, ça marchait pas. Essayer. Ouais, non, ça c'est pour grimper, hein. Je peux pas attraper. J'ai peut-être un truc à faire avec sa tronche au milieu. Il y a peut-être moyen de fermer la porte hein, sur sa gueule. Directement. Ah voilà. Hop! T'as l'air con après si on fait ça. Allez, salut bouffon! J'espère que tu vas kiffer. On entend qu'il kiffe, hein. Merci, merci, merci beaucoup. Je ne mérite pas tant de salutations. Alors. Je veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces paquets, hein, même si c'est sûrement l'autre qui les avait emballés du coup ça. Ouais. Alors. Il va falloir s'accrocher à quelque chose. Ah. Pam 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 Bon, on commence à avoir faim, qu'on se rapproche de la cuisine. Moi je dis, ça en dit beaucoup. J'espère qu'on va pas se refaire piéger, ça serait bête quand même. Ah, la diarrhée, ça c'était moi ce matin un peu. Alors, tac. On va pas se mentir. Enfin, pas la diarrhée, mais genre, le bide en compote. Alors. C'est que la petite musique stressante avec des pièges à souris, enfin des pièges à rats plutôt.
pourrait l'aider le pauvre petit là. Oula, ah ouais, violence. Ouais, désolé mon pote. C'est un peu le chat qu'on a vu hier hein, avec, avec Corentin. Hier sur le sur ma chemin du retour dans le campus 2, on a vu un chat qui se fightait avec une petite souris là. Bon, autant dire que c'est pas la souris qui a gagné. tac. Hop. Alors, voilà des produits frais. Bon, par contre, franchement, si Gordon Ramsay, si un épisode de Gordon Ramsay, enfin, si un épisode de Cauchemar en cuisine, sur cette cuisine, niveau propreté, ça va pas être ça, quoi. Là, Gordon, il va déjà péter un câble. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que cuisine ? Regardez, ça, c'est un chef qui a plus de passion, ça. Ça, c'est un chef qui cuisine plus comme avant, quoi. Alors, qui il est beau. Vous le trouvez comment? Il est magnifique, non? Alors. La, la, la. Donc il passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Style. Ah, faut une clé. Oh, c'était évident qu'il allait me choper. Il va me cuisiner. Alors, bon, faut qu'on cherche une clé du coup. Hein. Sinon, je crois qu'on pourrait aussi grimper sur l'étagère. Je sais pas si c'est vraiment le truc à faire. Ici, ça se trouve. Tac, c'est un peu ma cuisine après un jour de vaisselle. Alors, tac, 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 tac. Qu'est-ce que je cherche? C'est moi qui l'a vu là. Oh, merde. Alors, peut-être je vais aller me planquer plutôt. Parce que je me suis dit c'est la mort, il n'y a plus qu'à courir. Mais non, en fait. Ok, bon. On va essayer de le redistraire avec ce qui nous passe sous la main.
Oh, trop gridgy là, c'est toi qui est gridgy là. C'est du speedrun, hein. C'est du speedrun, c'est tout. Hein. Pas le problème. Ponche, ponche. Attendez, juste un truc. Oh bah il a mal visé. Hein. Et maintenant il met la tête dans la casserole. Un peu les couilles, hein. On va pas se le cacher. Ouais, mais son IA elle a aucun sens en plus. Genre, il entend un truc d'autre côté de la cuisine, il reste sur place. Il est zinzin. Mais ça sert à rien, son script il se déclenche juste après. Genre, j'étais planqué, il fait. La marre de Rachel là. Il m'énerve. Alors. Allez, dépêche-toi. Tu vas ban toi, je crois que tu fais peur. On continue. Ouais, il pionce. Ah, c'est la clé. Alors, c'est peut-être son frangin, parce que c'est quand même bizarre qu'il soit déjà là, quoi.
Ah, il a pas la même tête que l'autre, on dirait. C'est juste moi qui dis de des conneries, ça se trouve. Ah, de toute façon, il y a deux lits, donc c'est sûrement qu'ils sont deux, ouais. Donc, ah, puis ouais, on voit des portraits là. On voit, ils sont deux, ouais. Ça doit être deux frangins. Ah, bah ça, il y a pas... y a beaucoup d'épisodes de cauchemar en cuisine avec deux frangins qui se disputent. Donc... Alors... Ça c'est le mont Charles. Top 55, c'est prêt. Top 55, c'est prêt. On enlève son show. Et merci à vous qui me regardez depuis le Québec et partout ailleurs. Salut. Donc. Bah ouais. Allez, bouge ton cul. On est bon. Des bonnes saucisses d'humain. Alors. Oh, c'est dégueulasse. Et c'est comme ça qu'on fait les bébés. Alors, tac. C'est sympa, il y a une saucisse, mais qu'est-ce que je fais après? J'ai perdu ma saucisse. Il n'y a plus de viande. Il n'y a plus de viande qui veut sortir. Peut-être que je crains. Parce que je ne peux pas l'attraper comme ça. Ça m'étonnerait. Quand tu veux que j'en mette là-dedans, je suis pas mec Jordan. Ou alors peut-être que si je prends. Tac. Oh mais fuck.
ça casse les couilles. Mais bon. Comment on fait les enfants? Si c'est comme ça, Pierre. Ce qui serait bien, c'est qu'on évite de retomber là-haut et de se transformer en saucisse. Non. Je peux pas sauter là-haut. Ah, si, c'est bon. Est-ce qu'il y a de la viande ici? Il y a un rat, est-ce qu'on chope le rat? Ah, il y a une poupée. C'est vrai qu'on pouvait débloquer des chapeaux et tout. J'ai pas encore vu ça. Pop, pop, pop. Désactiver l'hélice ou je sais pas quoi. Bon, jeu est trop bien. Ah, je vois qui. Il y a mon frère là qui a demandé un message sur. Tac. Ah, je crois qu'il me watch, c'est pour ça. T'es en train de me regarder, Joachim? Je sais pas s'il nous voit, hein, mais peut-être. Tac. S'il m'envoie un message. Hop. Alors, je vais voir si c'est ce qu'il fait. On the PlayStation. Tac, 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 tac. Ah bah il est déconnecté on dirait. Ah bah il est pas connecté. Quoi ce délire? La dernière fois il y a 8 heures.
Bon, là, c'est à n'y rien comprendre. Ou alors, peut-être qu'il a testé la démo de Clock, je sais pas du tout. Alors. Ah d'accord, il regarde du coup. Bah, salut Jojo, il y a Rachel qui dit bonjour au chat, si t'as accès au chat. Tac, alors. Bon, je suis un peu paumé, donc tu peux t'en apercevoir. Alors, comment je fais? Dans ces pièces-là, il y a quelque chose. Ah. On dirait que avec le grappin là, peut-être se balancer comme ça et puis récupérer le morceau de viande. Ouais, nickel. Ok. On est bon. On va le mettre sur la plaque. Tac. Tac, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que du coup j'ai. En fait, je vois que ça m'affiche des. Comme quoi j'ai des messages sur le chat, mais je crois que ça doit pas être lié le message PSN, message Twitch. Diffusion. Afficher les commentaires. Ah non, c'est bon. Tac. Ok. Ok, on continue. Ça, t'as passé un bon week-end, Jojo? Je crois que ça peut être assez encore. Hein. Yup. Il fallait refaire une saucisse en plus. Ouais, tranquille, j'étais avec un pote, on a été. On était un espèce de bar. De bar e-sport. Du coup, c'est un espèce de bar, ils font des tournois de JV, tout ça et tout. Mais là, il n'y a pas de tournoi, là, c'était un espèce d'événement des cosplayers. Du coup, les cosplayers, c'est les gens qui se déguisent en perso de jeux vidéo, tout ça. Tac. Bah, c'était rigolo. Tac. Hop. Alors. Bon, je pense qu'il y a encore un truc par rapport à là-haut. Je sais pas comment on va y accéder là. Peut-être en grimpant avec celui-ci. Yep. Ouais, comme ça. Hop. Oh fuck. Pas comme ça du coup. Bon, du coup c'est un jeu, il faut cogiter hein. Sinon pas dans la merde. Tac. Ouais, bon, c'est pas ça visiblement. Donc c'est que ça doit être autre chose. Faut grimper avec les ventilateurs, mais vu qu'ils sont allumés, on risque de se faire mal plus qu'autre chose. Donc. De toute façon, je peux même pas monter, donc en tous les cas. Puis, ouais, normalement, il dit quand tu peux faire un grand saut de l'autre côté. Enfin, genre, c'est indiqué quoi.
Qu'est-ce que je peux faire? On va faire un wall jump comme dans Mario là. Yippie! Yahoo! Ça c'est le reste de la poupée ça. On est d'accord. Est-ce que vous auriez une idée pour m'éclairer? Tac. Ah! Attends. C'est pas de la viande ça? Ah bah si putain! Ah le con! Il y en avait juste là, j'ai même pas remarqué. En fait, je focusais trop sur l'autre salle. En même temps, c'est trop bizarre. T'as une espèce de salle comme ça, tu y vas, il se passe rien, c'est genre trop bizarre. Tac. Je dis qu'il y a forcément quelque chose. Tac. Ok. Je cherchais trop loin. Hop. Tac. Bah. Ah oui, j'ai pas activé la manivelle, c'est vrai. Voilà. Voilà. Normalement, on peut faire. Voilà. On peut se balancer sur les saucisses. Quelle expérience incroyable. Je n'aurais jamais cru pouvoir me balancer un jour sur une chaîne de saucisses. Parti en mode die-hard. Alors juste retweeter sur mon Twitter qu'on est encore en stream. Tac, vu que ça fait une petite heure qu'on est là. Hop. Ouais, ouais, c'est bon. Des blockers. Ok, on est reparti. Chambre froide. Pas des trucs planqués. Genre une poupée, une lanterne allumée ou quoi. Non, rien du tout. Oh. On peut se planquer là. Je pense qu'on va peut-être se faire courser, il faudra se planquer là peut-être. Ah, il y a une clé récupérée. On va m'en douter. Ça sentait trop la merde. T'imagines, c'est monter l'ascenseur, genre. Heureusement que j'arrive un petit peu à prédire ce genre de truc. Quoi? Faut pas croire qu'il m'a vu à l'intérieur quand même. Ce serait assez abusé, faut pas déconner. Est-ce que la clé dans la... Faudra reprendre l'ascenseur à sa place, je pense. Enfin bon, il va te faire voir, ouais. Il a pris son petit front. Il se met bien là, il a pris son petit fromage là. Bon, allez, casse-toi là. Pas bouger un petit peu là, sans déconner. Voilà. Ah ouais, t'es niqué. Oula.
peu paumé. Ok, il va falloir y fouiller là-dedans, je pense. Mais ça m'a l'air succulent. Oh là là. Ce jeu qui te fait devenir végétarien, quoi. Tac, tac, tac. Très malin là. M'attendais pas à ce qu'il se pointe aussi vite. Il est rapide quand même avec la petite jambe. Toujours des rips, hein. Jamais des bravo. Hein. Mais du coup on peut voir que c'est pas leur peau, ce qu'ils ont c'est une espèce de masque et en fait du coup leur vrai visage est en dessous quoi. Un peu bizarre. Ne bougeons surtout pas. Maintenant on peut. Ok donc on va falloir qu'on se casse dès qu'il arrive quoi. Voilà. Ok. Ah non, la clé mec. Hop là, voilà. On se turbo casse. Attention, il va se faire entendre là, je pense. Voilà. Il est pas malin en force, on va avoir l'habitude quand même. Tu te mets en PLS, réfléchis. Ouais. Ouais. Tac, tac, tac. Ouais. Ouvrir la serrure. Ok. On va refaire ça, c'est pas grave. Salut Augustin, ça va tranquille? Alors, est-ce que la clé est encore là? Ouais, elle est encore là. Je suis vaillant, ben. Trop mangé, trop bu. Ah bah dis donc. Un dimanche soir. C'est pas un très bon bail ça. Là c'est le thème. Là on est au niveau 3 là, là c'est genre fight avec les frangins cuisiniers là, si je comprends bien.
Hop. Fou. C'est bon. On est en sécurité. Avec ce débouchiotte. Flambant neuf. Alors. Ah, il y a une poupée. Sébastien Kawe, Yanos, lol. Alors. Ensuite. On peut grimper comme ça. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il doit y avoir une sortie, je pense, ici. Ouais, voilà. Le débouchiotte est étonnamment centré dans l'écran. Non, mais genre. Je pense qu'ils étaient très, très contents d'avoir modélisé un débouchiotte. Du coup, bah, ils l'ont mis en grand. Alors, c'est très étonnant parce que c'est crade de partout, mais ils font quand même la plonge. Alors, moi, à chaque fin de semaine. C'est vachement... vachement loin. Ok. On va ressortir ici, je pense. Ouais. Bon, on peut analyser un peu le truc. Ok. Je pense qu'il va falloir se planquer. Déjà quelque part. Quoi. Non, mais d'où, mec? Oh, fuck. Ouais, mais moi j'ai pas une coloc pour faire ma vaisselle à ma place, Rachel! Hein? Allez hop! Ça, c'est clashé, ça c'est dit. Quoi, on fait chacun notre vaisselle? Ah non, mais oh, c'est reparti pour se mettre sur la gueule. C'est lui qui me cherche là. Stock a dit là et tout là. Voilà quoi. Non, et nique-toi là. Laisse-moi sortir quand même. Ouais, bonne nuit Joachim, bon courage pour demain pour les cours. Hop là, si vous pouvez souhaiter bonne nuit à mon frangin qui a regardé ce stream. Hop là, eh, mais il est vicieux le mec hein. C'est incroyable, mais à quel moment il se dit à quel moment naturellement il se dit oh tu vois je vais fouiller en dessous de la table, ça n'a aucun sens. Ok, il y a un levier là. Ok.
Ok. Bah, tout le monde te souhaite bonne nuit, Jojo, sur le chat de Twitch. Tout le monde part à Lyon, là, je suis trop triste. T'as plein de potes qui partent à Lyon. Bah, tu sais, c'est une ville de frimeurs, donc ça m'étonne pas qu'il y ait Rachel de ça à Lyon, quoi. Et ouais, splash Rachel, qu'est-ce que tu vas faire? Tac, ouais, bah c'est clair que ça a l'air vachement adibé quand même, tac. Tac. En tout cas, ça me fait bizarre, genre tu vois, la première année que j'étais sur Caen, j'étais en centre-ville, et puis là... Puis là quand tu te retrouves vers Côte de Nacre, c'est tellement calme. Je pense que je dois taper le truc depuis l'autre côté, j'imagine. Ah non, mais, non, mais au contraire, moi ça me va. Ah bah, et Jojo il fait bannir tout le monde. Donc, non, ça me va très bien vers campus. Ça me va très bien justement que ce soit calme la nuit, tu vois. Genre, c'est plus sympa que d'habiter dans le campus. Tac. Je kiffe trop que ce soit calme, genre je regarde mon mari dehors à minuit, c'est plus calme, c'est apaisant quoi. Tac, je préfère ça. Tac. Par contre, s'ils se mettent à deux de chaque côté, ça va être un peu galère pour s'en sortir. Toujours là, Rachel? Yes. Putain, Jojo's Bizarre Adventure. Aïe aïe aïe. Le meilleur Jojo là. Le meilleur des Jojo. Giorno Giovanna. Là, s'il m'attrape, on va se mettre à sauter avec leurs petits pieds quand même. C'est un peu awkward. Là-haut! Où était passé? Là-haut! Ouais, bah justement, en fait, ils ont des masques. En fait, genre, on les voyait manger des trucs, mais en fait, ils les glissaient sous leur peau, si tu veux, en fait. C'est pas... Ce qu'ils ont sur la tête, c'est pas leur peau, en fait, c'est un masque de peau. Et en fait, leur vrai visage, il est en dessous, quoi. Ah merde! Putain, à la perspective, j'ai même pas remarqué qu'il allait me choper. Puis j'étais en train de te répondre, en plus. Bon, allez, on se reconcentre. Par contre, on va refaire tout le chemin, c'est casse-couille. Ah non, c'est bon. Oh fuck, man! C'est quoi ce spawn? Ça, c'est quand tu spawns dans le camp adverse sur CSGO, tu vois. Genre, t'es sur Counter-Strike, tu meurs, tu vois, il spawn pas dans le camp adverse. Ok, on rush, on rush, on rush, on rush, on rush, on rush. Fuck you, man! Ouais, me balance pas du pinard à la gueule, hein. Salut les losers! Et on revient plus dans notre beurre. Ça, c'est quand tu te fais blacklist d'un bar. Tac. La cuisine. Ah, c'est la fin du niveau du coup. On va pas les découper visiblement. On va pas les roaster. Peut-être un peu après.
Ah, c'est du vécu, Augustin. Eh ben c'est grand. Oula, on va se casser la gueule, j'ai l'impression. Voir si on est dans un sous-marin ou un bateau. Je partirai plus sur le bateau. Wow. Ah ouais, effectivement. Ouais. Wow. Ah, c'est... Wow. La lumière qui t'éclate les yeux, ce HDR de ouf. Oh. Bah voilà, on est en liberté. Putain, Kawaii jaune mort noyé. C'était comme un frère radio salope. Hop. Tant que je sais que mon frangin est susceptible de regarder mes streams, faut que je fasse gaffe à mes propos, voyons. Tac. On voit une espèce d'ombre, un enfant hein, qui passe d'un bateau à un autre, un peu bizarre. Donc, visiblement, on va passer dans le second étage du bateau. En tout cas, la caméra qui s'est complètement éloignée. Qui se rapproche. Oh, je supporte pas la VR. Oh, oula, oula. Il y a un goéland là. On est clairement à Cherbourg, hein, je pense. Enfin, on n'est pas très loin. Oula. Ce petit fil Wally, quoi. On récupère du bois, on va chercher de la cobble. Alors. Turning around at the speed of sound. Est-ce que. Ah, on dirait des Asiates là un peu. Ah ouais, c'est clairement des Asiates là. Petite lanterne là. Ah bah tiens, attendez, regardez, c'est la nana là. Qu'on a vu dans l'intro du jeu. La meuf en kimono là. C'est quoi le bail? C'est en gros, c'est un espèce de bateau de croisière où ils servent des enfants aux gens, quoi. On leur donne à bouffer des enfants. Il y a un petit fil chiron, quoi. Bah, je sais pas en fait si on suit le déroulement du jeu depuis tout à l'heure. En gros, t'avais le premier gars qu'on avait battu avant avec ses longues mains. En fait, lui, il prenait les corps des gamins, il faisait des paquets avec. Enfin, il faisait des espèces de paquets. Et puis après, il les envoyait à la cuisine. Et à la cuisine, tu retrouvais les mêmes paquets dans les chambres froides et tout, quoi. Donc, je pense que ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça, je pense. Bon, en tout cas, ils ont l'air de se régaler. Oh fuck! Roasted!
Trop wasted. Face en GTA, c'est quand tu te fais tuer par une pauvre voiture qui t'a roulé dessus là. On pourrait quand même cuire un peu là, manger ça cru. En plus ils bouffent ça cru alors qu'à côté t'as des cuisiniers qui se font chier à faire à manger. Là. Moi j'ai un peu de peine pour les deux cuisiniers là. Alors, personne ne veut manger ce qu'ils font. Oh! Oh bah dis donc. Cru, tout cru comme ça là. Ah bah visiblement ils sont conscients de manger des enfants et ils adorent donc je pense. On peut dire que les Asiates sont pas des gens très très sains quoi. Voilà, on se casse. Tu vas pas me bouffer toi, putain. Ça continue de ramper. Que je monte sur la pile d'assiettes là. Oh mais dis donc. Non! Va te faire! Et oui, j'ai des propos intolérants. Mais non, mais il y a le jambonneau qui m'a ralenti là. Ah, c'est un jeu fait par des Japonais où t'as des Asiates chelous qui mangent des enfants. Moi, je dis, ils assument d'un sens. Alors. Non, mais franchement, cette partie-là, elle est vraiment bien. Regardez-moi ce boulot, je suis en train de ramper. Allez, dans ton huc. C'est bon. On a fini. Ce petit personnage, il me rappelle un petit peu les pyramides Head quand même de Silent Hill, mais en plus gentil du coup. Hein. Tac. Chou trop chou. Tu veux m'aider mon pote? Oh, on peut lui faire un câlin. Trop gentil. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu veux m'aider mon pote? Oupsie doupsie. Il faut que j'emmène dans l'autre salle. Avec lui. Ah, il me suit, on dirait.
Tu me suis, gros? Peur ou quoi ça se trouve. Attends, j'ai pas envie de le donner à sacrifier quoi. On va voir ce que ça fait sur mon plan. Voilà. Allez, prenez le pinard dans votre gueule. Oula. Tac. Bon, je voulais juste passer en fait. Hein. C'est le bruit de mastication. On n'oublie pas le plus important, hein. Oh là, ouais. Oh non, le pinard. Ah oh bah ouais. Ah oh bah la France, c'est le pinard, le saucisson, hein. Voilà, si t'aimes pas ça, tu t'es pas français, hein. Ah, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Bah ouais. Oh, si t'aimes pas manger les enfants, t'es pas français. Oh non, non. Niquez-vous, niquez-vous. Don't touch me. Fuck you. Essayez de faire ça pour voir. Y'a pas un seul qui arrivera à le faire, ça. Oh non, c'est pas vrai. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Fous-moi la pix. On va te faire. Qu'est-ce qu'il est ? Pam 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 pam. Ok. Oh non, encore eux. Mais c'est l'enfer, ma parole. On peut voir qu'on ne voit pas se reflet dans le miroir, c'est un vampire. Non. Il va falloir aller. Ah. On dirait, hein. On va grimper en haut. Comment on va grimper ? That is the real question. Oh.
Ingénieux, on n'arrête pas le progrès. Mais ce n'est pas un vrai laser, c'est juste une petite ampoule qui brille. Mais c'est du plastique, il ne peut pas voler. Tu permets. Je pourrais voler sans cette chambre, les yeux fermés. Alors, tac, passer là. du grand gameplay encore une fois, comme d'habitude. Avec moi, vous n'êtes jamais déçu, j'imagine. Hop. Alors, oh non, on recommence là. La bûche. On va essayer de speedrunner. On peut pas speedrunner. Faut attendre que le gars arrive. Oh là là, c'est un chiant. Ah bah là, clairement là. Ok, on est bon. Et même pas mal. Même pieds nus. Reste bien dans l'angle, surtout. Pas de bêtises. Non mais putain. Ah, c'est l'enfer. Oh, vous verriez, c'est l'enfer. Surtout qu'on peut... Surtout que je suis obligé de faire ça avec le joystick, je peux utiliser les flèches directionnelles, donc c'est... C'est très le fun. Oh putain, reste équilibré sur une espèce de vieilles plateformes ovales quoi, c'est un peu horrible. Un jour je comprendrai les tweets de Tempo, un jour. C'est quoi le moteur du jeu? Parce que je pense qu'on est clairement sur le loterie là, je pense. Bon. On va vraiment avancer au petit pas quoi. C'est un peu galère, mais là je vois pas d'autre solution. Ah, c'est vraiment le truc qui me font turbo stresser quoi, vous imaginez même pas. C'est que la caméra qui bouge, mon stick qui tangue. C'est bon. On peut descendre. Là il y a une poupée. Ah du coup tout ça pour ça? Ah, c'est optionnel. Ah oui, d'accord. On reprend l'ascenseur du coup, j'imagine plutôt. C'est un putain de truc optionnel. Qui l'eût cru? Là, c'est par là. Retourner vers les mangeurs. Oh, oh la vache, oh lui il est horrible. Mais ils ont tout après moi. Oh ça vers l'hippopète. Il y en a combien? Les mecs ils vont taper deux pros sur moi quoi, pas plus. Quoi? D'où? C'est pas possible ça. Heh heh.
bonfire lit. Ok. Oh. On y va. Allez, garde ton calme. Turning around at the speed of sound. Ah, c'est l'angoisse. Voilà. Vous le saviez quoi. Ah, c'est ça, crève, toi. Fou. Bah, dis donc. Ce passage. Faut que je fasse quoi. Je pars par là. Qu'est-ce qui s'est parlé? Ouais, c'est bon. Oh non, comment ça rend la dame? Oh, t'as déjà dévoré un rat tout à l'heure là, non mais oh, ouais. T'attends le goûter, puis c'est tout, hein. Sois juste mon pote. Oh non. C'est horrible. Mais non. Pourquoi t'as fait ça? Ça va pas la tête. Il voulait te filer une saucisse, tu l'as bouffé. Mais je veux plus te jouer, t'es méchant. Je ne t'incarne plus désormais. Attends. Est-ce que c'est pas nous finalement le monstre? C'est deep ça. Eh mademoiselle. Attends, je prends l'ascenseur avec toi mademoiselle. Tac 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 tac, ok. Je crois qu'on arrive à la fin du jeu en plus, semblerait-il. Mais je crois que. Pas trop très, parce que j'ai vraiment envie de faire un peu de trucs avant d'aller me coucher, quoi. J'aurais visé mon Alchèbre, bon, voilà, un truc comme ça là. Bon, ce putain de CC de vendredi. Ah bah c'est bon, on a fini le niveau. Putain, je suis trop triste, quoi. On a mangé à nos petits potes là. Mais du coup, ils vont se révolter contre nous, ils vont vouloir nous buter. Et ils auront raison de vouloir me buter. En plus, je m'en doutais, hein. J'essaie de prendre la saucisse, ça voulait pas. Je me suis dit, putain, il va le bouffer. Ah bah ouais, ça va pas louper. Hein. Gros taré. Tant qu'il met un cacahuète de nos jours, hein, à part des gros malades. Alors. Ok, bon bah, je pense qu'on va se diriger peu à peu vers la dernière partie. Tac. Hop, bon, je vais quitter le jeu. On va voir ce qu'on en est au niveau des chapitres. Des chapitrations. Tac, du coup là c'est les DLC je crois, ça doit être les DLC, c'est ça. Tac, ok.
Hop, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce stream, décidément très sympathique ce Little Nightmare. On approche de plus en plus dans l'angoisse, quoi. Là, c'était vraiment un chapitre assez hardcore. C'est pas un jeu qui est sanglant, quoi. C'est plutôt un jeu qui est vraiment un jeu ambiance, quoi. Hop, bah du coup, des gros bisous. Puis, bah voilà, quoi. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que je continuerai, sûrement dans la semaine. Sûrement pas le mardi, mercredi, parce que c'est les jours où je fais 8h, 5h, quoi. Donc, je suis un petit peu claquaille. Hop là. Donc, bah, du coup, bah, des bisous. Portez-vous bien, tout ça, quoi. Tchuss!